Bienvenue au 21. Nous sommes en direct avec le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, qu'est-ce qui se passe avec la population du Faso? Le jeune président, comme vous le voyez très bien, il est déjà avec nous. Il a développé le Faso en quelques temps lorsqu'il a pris sa transition. Alors, qu'est-ce qui se passe avec sa population? Vous savez très bien, les magistrats d'Ibrahim Traoré ont prononcé quelque chose, une parole, et ça a suscité la population. Vous savez très bien que c'est la population du Faso qui tient le pays à main. C'est différent avec notre pays du Cameroun. Vous savez très bien que l'Afrique de l'Ouest est développée. Écoutons alors l'extrait de ce qui a suscité les habitants du Faso. Burkina Faso ont voulu tester le peuple burkinabé. Regardez très bien ce qui se passe. Oui, ça c'était aujourd'hui à Ouagadougou. Les magistrats ont voulu tester. Et le peuple du Burkina Faso est sorti dans les rues pour dire à ces gens en fait que c'est le peuple qui gouverne le pays. Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré. Non, c'est le peuple qui gouverne le pays. Regardez très bien ce qui se passe. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des magistrats au Burkina Faso qui ont tenu certaines paroles, qui disent en fait qu'il n'y a rien qui se passe sur le terrain, que l'armée burkinabé, ils voulaient dénigrer tout simplement, saboter le combat que nos militaires sont en train de faire sur le terrain. Bon, on les a amenés sur le terrain pour qu'ils puissent voir réellement ce qui se passe sur le terrain. Et maintenant, il y a certains les syndicats des magistrats sont sortis pour tenir certains propos. Le peuple burkinabé est sorti dans les rues pour les dire en fait que calmez-vous. C'est le peuple qui dirige le pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. À l'époque là, où vous avez pris le pays en otage, certaines minorités qui ont laissé certaines personnes qui ont volé de l'argent dans le pays et qui ont fui. Aujourd'hui, il y a une personne qui arrive au pouvoir et qui veut redonner la dignité de l'homme intègre. Et vous voulez saboter ça parce que vous n'êtes pas avec le peuple burkinabé. Mais dans ce cas, le peuple burkinabé sort dans les rues pour vous montrer que ce n'est pas vous qui gouvernez le pays. Ce n'est pas parce qu'on dit que vous êtes des magistrats que vous allez avoir le droit de faire tout ce que vous voulez dans le pays. Moi, je dis merci au peuple burkinabé. Je ne pourrai jamais dire merci au peuple burkinabé pour finir. Le combat que le peuple burkinabé est en train de mener est incroyable. Regardez-vous-même tout ce monde qui est sorti dans les rues pour partir dire à ces gens, taisez-vous, le pays est gouverné. On ne peut pas vivre dans un pays avec le désordre. On ne peut pas vivre dans le pays où chacun peut se permettre de sortir, dire n'importe quoi. C'est fini ça. Nous sommes en 2024. La jeunesse a compris. La jeunesse comprend les enjeux politiques. Tout ce qui se passe dans le monde. On ne peut plus nous berner. C'est ça qui est là. S'il vous plaît. Commentaire, félicitations au peuple burkinabé. Commentaire, félicitations au peuple burkinabé. Alors, lorsque le peuple se met debout, l'impérialisme crame. C'est de ça qu'il s'agit. Nous étions en direct avec le Burkina Faso. Vous-même, vous avez vu les merveilles du président Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Nous vous reviendrons dans quelques instants, si vous le voulez.